Tout le monde va bien. Il y en a qui sont debout de l'autre côté là-bas. Je vois David. Ça, ça a été Tu es parti aux Antilles Non à, Mar à Marseille. Ça s'est très bien passé à Marseille. Gloire à Dieu. Magnifique Seigneur. Nous avons nos bien-aimés qui sont de l'autre côté là-bas parce qu'il n'y a pas assez de place ici. Et euh, magnifique. Et à côté, bien sûr, il y a Didasco qui a démarré cette semaine. En tout cas, merci euh, aux frères et sœurs de la Suède qui sont connectés ce soir. Nous avons été beaucoup encouragés. Et. Euh, et euh, voilà, donc vous êtes certainement connectés ce soir, donc je voulais vraiment vous dire merci pour votre accueil. Nous avons été beaucoup fortifiés, nous avons pu voir nos frères et sœurs du Rwanda, de du Burundi, de l'Ouganda certainement, de la RDC, de euh, la Guinée euh, et, et puis de la Suède aussi. Voilà, donc euh, que le Seigneur en tout cas se souvienne de vous. Et euh, merci Seigneur pour euh, l'œuvre qui se fait au niveau de la Scandinavie, il y en a qui sont venus de loin. Une sœur est venue de la Norvège que je tenais aussi à saluer ce soir voilà, pour participer à ce programme. Donc euh, on a pris juste quelques images comme ça pour euh, pouvoir montrer aux frères et sœurs. Mais bon, on n'a pas eu le temps de euh, gérer cela parce que euh, ce n'était pas en direct, contrairement à, 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 au programme qu'on a organisé à Nantes ce dimanche qui, qui était en direct. Voilà. Donc euh, en tout cas, le Seigneur a beaucoup guéri, sauvé, délivré nos frères et sœurs de la Suède, de la Scandinavie. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Voilà, donc on a, on va envoyer plusieurs missionnaires là-bas pour euh, encourager les amis. Donc de toute façon, vous qui êtes ici, hein, vous êtes euh, invités en Suède. Donc si ça vous intéresse, hein, donc euh, voilà, donc vous pouvez euh, faire un tour. Hein, pour euh, encourager nos amis. Alors nous avons deux sœurs de la Suède qui vont venir pour euh, se former. Elles sont certainement connectées ce soir. On s'est aperçu que beaucoup sont touchés. Hein, beaucoup sur TV vie En dépit des, des épreuves, Dieu parle à son peuple. Voilà. Donc euh, que le Seigneur soit béni en déplaise aux gens qui euh, servent le diable, voilà, que Dieu soit béni, en tout cas, les signes parlent d'eux-mêmes, vous savez, on n'est pas là pour se justifier, mais le Seigneur est celui qui nous justifie, la parole est claire, donc du coup, on n'a plus de retour ici, Benoît, je ne sais pas ce qui se passe, voilà, la parole est claire, ce n'est pas celui qui se recommande, lui qui a prouvé mais c'est celui que le Seigneur recommande, voilà, et justement, c'est ce que nous allons partager un peu, hein. donc, euh, et, euh, ce soir, l'homme que Dieu recommande les personnes que Dieu recommande. Voilà. Et euh, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 10. Merci, Saint-Esprit. Ok. Clins, merci pour euh, ton soutien. Et euh, Naïma, part aussi en même temps Non, non je prends vie. Oh, tu prends ta Bible. Parfait. Que Dieu soit béni en tout cas. Et euh, le 1er octobre, nous sommes au Canada et aux US. Et euh, je sais que vous êtes nombreux du côté des Amériques, hein, à, à, à Amérique du Sud et, et Nord, à, à être connectés. Donc, euh, on a hâte d'y être, en tout cas, que le Seigneur soit béni. Et euh, béni, que le Seigneur soit béni également pour les frères et soeurs de Nantes, que j'ai failli oublier, qui nous ont beaucoup encouragés ce week-end. Hein. Et euh, on a vécu une, des belles choses dans la présence du Seigneur, une belle présence, et, euh, et puis beaucoup de conversions, beaucoup de baptêmes. Beaucoup de délivrance et aussi euh, la restauration de notre sœur qui était euh, bien sûr euh, sur fauteuil roulant et qui, euh, sur un fauteuil roulant qui était handicapé et que le Seigneur restaure par sa grâce et que nous tenons également ce soir à, à encourager à saluer. Voilà, donc, euh, gloire à Dieu, Dieu travaille. Donc, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 18. Car. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Waouh Nous allons parler ce soir juste une, une exhortation sur la les ré, recommanda, les recommandations du Seigneur. Hein, donc les recommandations du Seigneur. Donc Dieu recommande euh, 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 les hommes et les femmes qu'il a appelés. Et euh, Dieu, quand il appelle une personne. Bien sûr, comme vous le savez, il a fait d'abord passer par toute une série d'épreuves, ce qu'on appelle l'école. Il y a plusieurs sortes d'écoles, n'est-ce Il y a l'école euh, euh, du, 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 du rejet, il y a l'école de la souffrance, il y a l'école de la solitude, comme Jérémy pouvait dire, n'est-ce pas euh, Je me suis tenu seul, euh, solitaire, seul dans mon coin. Et il y a l'école également, n'est-ce pas, de euh, la, de, de la, de la fausse ou des fausses accusations. Et donc il y a plusieurs écoles comme ça, comme Joseph par exemple qui a été accusé faussement par la femme de Potiphar, n'est-ce pas, qui lui a attribué, des, 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 prêter des intentions, attribué des choses que Joseph, Joseph, Joseph n'avait pas faites. Donc cette école là n'est pas toujours facile, n'est-ce pas, quand on vous accuse faussement, quand on vous attribue des choses que vous n'avez pas dites, que vous n'avez pas faites, quand on vous traite de tout le nom. Mais il faut passer par cette école là parce que le Seigneur est passé par là. N'est-ce pas? Donc, la recommandation du Seigneur, mes amis, euh, automatiquement nous amène à traverser des difficultés, des périodes, mes amis, de brisement, de rejet, d'incompréhension également, parce qu'il y a l'école de l'incompréhension où on a l'impression de ne pas être compris par les gens, même qui peuvent paraître spirituels. Des gens qui sont censés nous aider, nous écouter, nous soutenir. Et ce sont eux, parfois, qui nous repoussent, qui nous rejettent. Et c'est voulu aussi par le Seigneur parce qu'il faut qu'on traverse cette, euh, n'est-ce pas, euh, cette école. Voilà, donc euh, on peut parler de plusieurs écoles. Sachez dans les Écritures que chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu était en lui-même, n'est-ce pas, une école. Et passait aussi par diverses écoles. Si nous prenons par exemple l'école, euh, n'est-ce pas, de Moïse, d'abord Abraham, il passe par une école terrible. Abraham, le Père de la foi, passe par l'école de la patience, par exemple. Il a attendu, n'est-ce pas. Euh, près de 25 ans, il sort de la Mésopotamie à l'âge de 75 ans et il a attendu 25 ans pour avoir Isaac. Il fallait qu'il patiente. C'était une école terrible. Et la parole nous dit clairement qu'Abraham était un homme dont le corps était usé. Et sa femme était bien sûr ménoposée. Elle n'avait plus de désir. Elle n'avait plus ses règles, ses menstrues, n'est-ce pas Et elle le dit elle-même. Et euh, Mais malgré cela, euh, euh, le Seigneur est intervenu. Donc c'était une école de la patience. Abraham pouvait douter. D'ailleurs, il a douté il y a quelques temps parce que il a écouté sa femme dans Genèse 16, alors que dans Genèse 15, Dieu venait de lui promettre, n'est-ce pas, une postérité, notamment à Isaac. Et cette école de la patience peut paraître longue, n'est-ce pas Et c'est pendant, pendant la longueur de cette école que toutes nos faiblesses se manifestent. Que Dieu nous est pur, que Dieu nous nettoie. On se dit parfois, mais l'âge avance je n'ai pas n'est-ce pas je ne suis pas béni comme les autres je n'ai pas ce que les autres ont qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui m'arrive eh bien, la recommandation du seigneur mes amis nous oblige à passer par l'école de la patience c'est obligatoire pourquoi prenons l'exemple d'une femme enceinte il y a plusieurs étapes il y a la conception par exemple ensuite il y a le il y a le développement de l'enfant dans le ventre dans le secret et ensuite il y a bien sûr les douleurs liées à l'accouchement et l'accouchement qui euh, s'ensuit Voyez donc c'est toute une c'est plusieurs étapes comme ça et la femme malgré les difficultés liées à la grossesse ne va pas pour autant renoncer à l'idée de devoir accoucher. Et euh, donc elle doit n'est-ce pas patienter parce qu'elle porte un fruit qui doit se développer n'est-ce pas et c'est comme ça que Dieu n'est-ce pas fonctionne avec nous mes frères et sœurs il nous fait passer par l'école de la patience. La patience quand on plante une semence, quand on plante une, une graine, eh la graine doit d'abord mourir avant de pouvoir germer et encore on ne va pas avoir les fruits tout de suite donc il faut beaucoup beaucoup de patience et, et Jacques justement nous parle de la patience des moissonneurs n'est ce pas la patience donc il faut patienter attendre également les deux euh, pluies celles de la première et de l'arrière saison et ce pas toujours facile. Parce qu'on a l'impression que Dieu n'intervient pas au moment où il faut intervenir. On a l'impression que parfois Dieu nous a délaissés, alors c'est pas forcément le cas, si bien sûr on le craint. Donc l'école de la patience peut aussi, n'est-ce pas, euh, 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 vous amener à douter même de votre votre appel, à douter même des promesses que Dieu vous a faites, voire même des prophéties aux songes que vous avez reçues. Et il faut passer par là. C'est obligatoire. Donc Abraham est passé par là, et quand il a eu Isaac. N'est-ce pas Et 25 ans après, il va avoir Isaac. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire Dieu va lui faire, lui faire passer par une autre école. L'école du, n'est-ce pas, euh, de, de, du sacrifice. Et là, Dieu lui dira, ben bah, donne-moi ton fils. Sacrifie-le. Offre-le-moi. Voilà. Donc, après la patience, il y a le sacrifice. Vous voyez, il y a plusieurs écoles. Vous ne pouvez pas être une femme et un homme que Dieu a recommandé, que Dieu recommande, auprès de ses enfants, auprès même des inconvertis, sans passer par les écoles du Seigneur. Il y a plusieurs écoles. Je prends un exemple dans la vie de tous les jours. Lorsqu'une personne a, est, 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 est passée par, euh, comment dire, plusieurs épreuves, et euh, euh, les examens, par exemple, une personne qui va à l'école, qui va à la fac, par exemple, au lycée, au collège, peu importe, cette personne va passer par diverses épreuves, et à chaque fois qu'elle va, n'est-ce pas, réussir une épreuve, elle va être sanctionnée par un diplôme. Vous voyez et une fois qu'elle aura fini, à chaque fois qu'elle va avoir un diplôme, elle va être recommandée. Pourquoi Parce qu'elle ben, a fait ses preuves. Voilà. Elle a été sanctionnée. Elle a été, n'est-ce pas, honorée par un diplôme. Et ben, Dieu fonctionne de la même manière. Donc, il t'appelle. Ensuite, il te fait passer par les écoles pour te qualifier afin de pouvoir te recommander. Et, et qu'est-ce qui va se passer par rapport à Abraham Eh ben Dieu dira dans Esaïe aux enfants d'Israël portez le regard sur Abraham, votre père, alors qu'Abraham était déjà décédé depuis, depuis des années, des années. Et Dieu va demander aux enfants d'Israël de porter leur regard sur Abraham. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire, un homme que Dieu recommande est une, est, est, est une personne, homme ou femme, qui, bien, bien que même après sa mort, Dieu va continuer quand même à dire aux gens, voilà ce que mon serviteur a fait, voilà imiter la foi de mon serviteur, tout ça. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux nous dit, Considérer la fin de ceux qui vous ont, n'est-ce pas, annoncé l'évangile et imiter leur foi alors que ces hommes et ces femmes étaient déjà décédés. Ça c'est terrible. Donc quand Dieu recommande quelqu'un, il ne te recommande pas seulement pour, n'est-ce pas, ton, euh, de ton vivant, hein, mais aussi après ta mort, il continue à recommander, n'est-ce pas, ton témoignage aux uns et aux autres. Et ça c'est terrible, mes amis. Donc je disais que il y a la recommandation, il y a l'appel, mais avant que Dieu ne te recommande, il faut d'abord qu'il te fasse passer par les épreuves. Et beaucoup échouent, justement. C'est là que beaucoup échouent, parce qu'ils s'enlacent, ils se fatiguent, ils baissent les bras, ils, beaucoup tombent dans la dépression. Et euh, donc, vous avez, on a vu rapidement l'école d'Abraham. Hein, donc, je ne veux pas rentrer dans les détails dans les diverses écoles. On va plus s'arrêter sur les, la, la recommandation du Seigneur. Mais il faut d'abord qu'on vous parle rapidement de diverses écoles. Et euh, pour que vous compreniez un peu le message que Dieu veut nous communiquer ce soir. Donc, euh, vous avez l'école aussi de, par exemple, de Joseph, par exemple. Joseph euh, et, euh, reçoit un appel du Seigneur, mais Dieu ne l'a pas tout de suite recommandé à Pharaon. Il fallait que Joseph passe par diverses écoles. Il passe par quelle école Il passe par la première école de Joseph, c'est l'école du rejet. Le rejet de ses propres frères, son entourage, sa patrie. Et ses frères le rejettent, n'est-ce pas et euh, ils le vendent et, euh, aux étrangers, et Joseph se retrouve sur une terre étrangère, en Égypte notamment, servant, n'est-ce pas, Potiphar, et il va passer par une deuxième école, celle des euh, la, 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 de fausses accusations, la femme de Potiphar, n'est-ce pas, et euh, va vouloir coucher avec, avec cet homme. Donc l'école de la séduction, l'école du sexe, tout ça là, il faut que tu sois affermi, hein, que toutes tes faiblesses sexuelles soient travaillées. Il refuse bien sûr de céder. Eh bien, il passe par, euh, n'est-ce pas, il va être accusé faussement. On va lui prêter des intentions. Et si c'était aujourd'hui, la femme de Potiphar, avec la, le manteau de Joseph qu'elle qu avait, elle allait faire certainement plusieurs vidéos sur Joseph. Elle allait créer des sites Internet sur, autour de Joseph. N'est-ce pas? Donc, vous ne pouvez pas être l'homme ou la femme que Dieu recommande sans passer par les fausses accusations. Ce n'est pas possible. À moins que vous soyez recommandé par le diable. Donc, Joseph, on l'accuse faussement. Et qu'est-ce qui va se passer? Potiphar va croire sa femme. Donc, vous, avez, vous allez avoir des gens qui vous faisaient confiance hier et qui, n'est-ce pas, vont, vont, vont se méfier de vous parce qu'il y a des fausses accusations. Eh bien, Joseph est passé par là. On va le mettre en prison. Donc, euh, ça, c'est une autre école. L'école de la prison. La prison, c'est quand vous avez l'impression d'être de, 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 enfermé quelque part, bien qu'étant parfois libre sur le plan physique, mais vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui n'avancent pas dans votre vie. C'est comme si vous êtes bloqué. Si vous craignez Dieu, vous n'êtes pas forcément possédé. C'est Dieu qui vous a mis en prison. Parce que là, dans cette prison-là, ben, vous allez apprendre. Vous allez, C'est l'école de la solitude. N'est-ce pas Vous allez être travaillé entre les quatre murs. Et Joseph, en prison, il avait. D'abord, il avait la première tunique que son père lui avait faite. Ensuite, ses, ses frères l'ont dépouillé. Donc, il a été bien dépouillé, rejeté, dépouillé. L'école du dépouillement, tout ça. Le rejet sur le dépouillement. Il passe par l'école. Il passe par. Euh, il va porter la tunique des prisonniers, de Potiphar. Chez Potiphar, bien habillé, tout ça. On l'enlève encore, cette, cette, cette euh, tunique. Et on lui donne une troisième tunique, celle des prisonniers, avec un numéro certainement dessus. Voilà. Et la prison, pendant la prison. Joseph a vécu en prison 13 ans. Il a reçu son appel à l'âge de 17 ans, nous dit euh, Genèse 37. 13 ans étaient nécessaires pour former l'homme que Dieu allait recommander à Pharaon. Comme quoi, mes amis, il ne faut pas se précipiter dans l'appel. Je vois des jeunes des jeunes qui ont cinq ans de conversion et qui veulent se précipiter dans les choses, tout ça, ils veulent faire les choses que les gens qui ont été travaillés pendant trente ans et que Dieu recommande ici et là, ils veulent faire les mêmes choses, et voilà pourquoi ils meurent. C'est ça l'erreur. Et Joseph, treize ans était nécessaire pour pouvoir le façonner. Pourquoi treize? douze est le chiffre du fondement en hébreu, treize c'est le chiffre de l'amour. La valeur numérique de l'amour en hébreu, c'est le nombre treize. Donc Joseph ne pouvait pas être recommandé à Pharaon sachant que Pharaon était l'homme le plus riche de l'Égypte, l'homme le, le plus puissant de l'époque et si Joseph n'avait pas expérimenté l'amour de Dieu, il allait céder, il allait n'est-ce pas devenir fou à cause de sa position élevée, à cause de son élévation à cause de, de, de la richesse. Donc il aurait fallu qu'il découvre l'amour. Voilà pourquoi Dieu a pris 13 ans pour que Joseph découvre son amour. L'amour véritable. Et Joseph mes amis, après avoir été travaillé, façonné pendant 13 ans, eh bien, il était maintenant qualifié par Dieu. Et par la suite, Pharaon, Dieu va donner deux songes à Pharaon qui l'ont troublé, n'est-ce pas, qui l'avaient troublé, et Pharaon n'a pas trouvé quelqu'un dans toute l'Égypte qui pouvait lui donner les explications de ces deux songes, hein, à ces deux songes et un prisonnier qui avait oublié Joseph en prison va devoir mes amis, recommandez cet homme à Pharaon. Ça, c'est le doigt de Dieu. Il y a des gens qui vous ont oublié, qui vous ont délaissé, qui vous ont abandonné, qui vous ont critiqué. Un jour, ce sont eux qui vont vous recommander. Voilà, mes amis. Alors, il y en a qui vont dire, bah, ouais, nous, on n'a pas besoin des de hommes, on a besoin seulement du Seigneur. Mais, écoutez, la Bible dit que nous sommes le corps du Christ. Donc, si nous sommes son corps, Dieu passe par nous pour agir aussi. Donc il recommande des hommes. Dieu, si tu es la main de Dieu, il va recommander cette main. Si tu es le, le pied gauche, il va recommander ce pied. Voyez, c'est comme ça que Dieu opère, mes amis. Et à chaque génération, Dieu recommande des hommes, n'est-ce pas? Dieu te prend, il te dit, il dit Génération A, oui, eh bien, je vous recommande tel homme, je vous recommande telle femme. Et quand Dieu recommande une personne à une génération, que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Parce que c'est la recommandation du Seigneur. Vous n'avez pas le choix. Vous pouvez le critiquer, mais vous allez toujours tourner autour de lui. Vous pouvez la critiquer, mais vous allez toujours orbiter autour d'elle. De, autour, autour c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, je suis convaincu que les planètes qui orbitent autour du Soleil ne l'aiment pas, ne, ne, ne pas forcément parce qu'il y en a qui sont euh, comme Vénus, hein, euh, chaudes, tout ça là. Et, et, mais elles n'ont pas le choix. Parce que sinon, vous allez vous retourner dans les ténèbres complètement seules. Donc, euh, vous êtes obligés d'orbiter autour du soleil. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Voyez, mes amis. Parce que Dieu recommande le soleil à toutes ces planètes. Et c'est comme ça que Dieu paie. C'est pour ça qu'on nous dit Yeshua est notre soleil levant. Tout le, monde, tout le monde orbite autour. Même les démons. <laughs> mes amis. Parce qu'ils ont goûté à la gloire au ciel. Donc, du coup... Hein, gloire à Dieu. Voyez, mes amis. C'est magnifique. Donc... Laissez Dieu, laissons Dieu nous façonner, nous travailler afin de pouvoir être recommandé. Voyez. Et euh, donc Joseph a été recommandé. Et il se retrouve devant le roi le plus puissant de l'époque. Mais mes amis, euh, s'il vous vous, vous nous racontait son parcours là, je crois que beaucoup euh, refuseraient même de porter le manteau définitif que le Seigneur lui a donné. Hein, lui avait donné hein, le manteau royal. Donc euh, voilà. Et, et donc la recommandation du Seigneur, mes amis, implique beaucoup de souffrance. Beaucoup, beaucoup de brisement. Parce que pour qu'il vous recommande, il faut qu'il ait confiance en vous. Dieu ne veut pas avoir honte. Il tient à son nom, il tient à son honneur. Et euh, ça, c'est l'école de Joseph. Nous avons l'école, euh, par exemple, d'Élie, le prophète. L'école de la solitude. Hein. Dieu l'appelle. On ne parle même pas de, de, sa, de, 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 de son père, sa mère. On nous dit seulement qu'Eli, les Tchitbit, tout ça là. Et puis euh, voilà, Dieu l'envoie parler à Akab. À et ensuite tu lui dis, cache-toi pendant trois ans et demi, seul, nourri par des corbeaux, nourri par, la, par, une, par une veuve. Quelle solitude. Quel brisement. Et Eli, à un moment donné, il a dit, n'est-ce pas, il était tellement dans la dépression quand il a fui, euh, devant Je Jézabel, il dira que, qu'il n'était pas mieux que ses pères, parce qu'il pensait être mieux qu'Abraham, Isaac et Jacob. C'est terrible quand même, hein. voyez? Et il devait passer par l'école du brisement. Et Dieu va se servir d'une femme, Jézabel. C'est Dieu qui a fait ça. Il est souverain, il est au contrôle de tout. Dieu pousse Jézabel, il dit à Jézabel, parle un peu là, parce que Eli, euh, il faut qu'il descende un peu. Je veux l'aider. En gros. Alléluia. Amen. Ben voilà, c'est comme ça que ça se passe parce qu'il euh, y a Élisée qui attendait. Il fallait qu'Élisée prenne la relève. Donc Élie, pour ne pas qu'il tombe, il fallait qu'il soit travaillé. Et là, ben, c'était le brisement. Hein, mes amis, il, quitte, il, il dépose son serviteur quelque part parce qu'il a compris que c'était son, son école à lui et non à son serviteur. C est, c est, c est. Et c'est comme ça que ça se passe. Dieu va devoir vous amener à vous séparer de certaines personnes pour vous tailler bien comme il faut. Et euh, nous avons l'école, bien sûr, euh, de Moïse. Hein. 40 ans, il est né, il est sorti. À l'âge de 40 ans, il a quitté l'Égypte. Il, il s'habillait comme un prince, il parlait comme un prince. On nous dit dans Acte 7 qu'il était puissant en parole et en œuvre. Il ne bégayait pas, Moïse, avant. N'est-ce pas Il était tellement rempli d'Égypte de, de, que quand les filles de Gétro l'ont vu pour la première fois, elles ont dit à leur, à leur père Un Égyptien nous a aidés. Parce qu'il s'habillait comme un Égyptien, il parlait comme un Égyptien. Et Dieu ne peut pas utiliser les Égyptiens comme ça, là. sur le plan spirituel, bien sûr. Donc euh, il fallait qu'il le dépouille de l'Égypte. Et eh Dieu va se servir de... Il va prendre 40 ans. voyez 40 ans de formatage en Égypte, 40 ans de délivrance. 40 ans. Et à l'âge de 80 ans, Moïse était un vieillard et Dieu avait brisé sa langue. Dieu avait tellement brisé son, son éloquence que Moïse bégayait maintenant. N'est-ce pas Et quand Dieu va l'appeler, et Moïse dira, je, je ne sais pas parler. Voilà, envoie quelqu'un d'autre. Il était dans la dépression. Et Dieu lui dira, ben, tu prends ton bâton et tu vas délivrer mon peuple, alors qu'il savait, Moïse connaissait bien l'armée égyptienne, qui était à l'époque l'armée la plus puissante. Comment veux-tu aller délivrer un peuple retenu par une armée telle que celle de l'Égypte, avec un bâton seulement <laughs> L'école du Seigneur. Il ne t'envoie pas une mission avec des millions. Il te dit, prends juste 10 euros par mission. <laughs> Mes amis, imaginez Moïse qui arrive en Égypte et qui dit au peuple, Dieu m'a recommandé, hein, vous a recommandé Moïse. Hein? Maintenant, il, le peuple qui devait dire, mais oui, d'accord, Dieu nous a recommandé ta personne, mais tu es venu nous délivrer quoi Eh bien, voilà, le bâton, il est là. <laughs> imaginez l'humour, mes amis, du Seigneur. Là. Imaginez devant Pharaon. Pharaon, voilà, nous sommes venus pour libérer le peuple. Eh ben, quelle, 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 quelle arme Quelle arme Eh bien, juste le bâton. Vous voyez <laughs> Mes amis, nous avons notre Dieu. Nous fait faire des choses parfois nous ne comprenons pas. Et si on réfléchit, on ne fait plus rien. Si on raisonne, on ne fait plus rien. On ne bouge plus. Un jour, il dit à Pierre "Pierre, oui, tu es né pêcheur en tant que comme métier. Hein, donc, tu étais, ton père était patron pêcheur, tout ça, et tu es né dedans. Et euh, Pierre, prends ton hameçon juste provisoirement, va à la, à la mer. Le premier poisson que tu attrapes, tu ouvres sa gueule, tu prends deux pièces et tu viens payer l'impôt pour toi et pour moi." Imaginez Pierre n'avait jamais attrapé, attrapé un poisson dans la bouche duquel il y avait dans la gueule du, duquel il y avait euh, de l'argent et là le Seigneur lui dit ben vas-y la foi l'école de la foi okay. voyez il te fait faire des choses alors que c'est ton métier hein? il te dit va tu vas vivre des choses que tu n'as jamais expérimenté Seigneur mais tu sais je suis né dedans j'ai attrapé tout ça de poissons, tout ça là il n'y avait jamais jamais de l'argent dedans il dit, va il faut y aller imaginez ceux qui croisaient Pierre quand il allait pêcher ce poisson là les gens que Pierre croisait dans la rue Pierre, où vas-tu chercher de l'argent Mais à quel endroit À la mer. Mais la banque est derrière. Vous voyez l'école de la foi, frères et sœurs Mais si Pierre, après, par la suite, Dieu va le recommander à, 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 à Corneille, il dira à Corneille, envoie des gens chercher Pierre qui est là-bas à là, Hein Mais si Pierre vous raconte sa formation, mes amis, s'il vous raconte sa formation, le, le, la foi où il a renié le Seigneur, hein? l'école du brisement, où ton mensonge est exposé. Vous voyez où euh, tes muscles sont mis à rire preuve. où euh, tu t'aperçois que devant une femme, tu trembles, tu dis non, non, je ne l'ai jamais connu, je, je t'assure, au, au nom de Dieu, je ne connais pas cet homme devant une servante. Pierre a rogné le Seigneur. Imaginez cette école, mes amis. Il est à la pêche, hein, à la mort du Seigneur. Il pêchait nu, de la dépression, et il a entraîné plusieurs disciples après lui. Imaginez cette école. Et par la suite, Dieu, quand, euh, euh, n'est-ce pas, Corneille euh, euh, fut visité par le Seigneur, Dieu dira à cet homme, ben. Va chercher Pierre. Quand ta était décédée, les, les saints ont prié pour elle et ils n'avaient pas l'onction pour la réveiller. Et l'esprit a dit quoi Lavez son corps, mettez-la dans la chambre haute. Allez chercher Pierre. Frère, c'est dans, dans la nouvelle alliance. Hein? Ah oui, allez chercher Pierre. Tout le monde n'a pas la même onction. On a le même esprit, mais on n'a pas la même autorité. Il faut reconnaître les choses. Non, on n'a pas la même autorité. Il y a l'autorité apostolique, il y a l'autorité prophétique, il y a l'autorité évangélique. On n'a pas la même autorité. Et souvent, l'erreur pour beaucoup de chrétiens, c'est quoi C'est quand les, les gens qui ont reçu une autorité puissante sont simples, ils pensent que c'est des amusements. Et c'est pas la même chose. C'est lui que Dieu recommande. Quand il fait une vidéo, c'est le monde entier qui est bouleversé. C'est lui ou celle. Hein? Ça peut être une femme. Ça peut être un blanc, noir, jaune, marron, chocolat, peu importe. Mais si tu n'es pas recommandé par le Seigneur, il n'y aura rien. Tu peux faire des séminaires, les gens ne viendront pas. Amen. Non. Alors voilà pourquoi tu vas rester derrière ton ordinateur pour aboyer comme un chien qui est enragé. Voilà. J'étais en mission en France. Ouais, Montre-nous les vidéos où on, a vu les, où on voit les délivrances. Mm -hmm. Montre-nous les vidéos où il y a les guérisons. Où il y a des gens en faute, sur fauteuil roulant qui marchent. C'est ça la différence. Voilà. L'autorité. <laughs> Dieu ne t'a pas recommandé. Il n'y aura, y aura pas de fruits. Tu vois aboyer, aboyer, boyer, aboyer, comme Théodas dans la Bible, hein, il avait entraîné aussi plusieurs personnes, mais il n'était pas recommandé par le Seigneur. Et son œuvre n'a pas perduré. Il a disparu. Voilà. Le Seigneur a dit, tous ceux qui étaient venus avant moi, c'est des brigands. Les brigands viennent toujours, ils sont là, ils aboient, mais il n'y a pas de fruits. Voilà. Il y a des menaces, il y a des choses. Mes amis, il faut qu'on parle clairement. Parce que nous sommes dans une génération où tout le monde devient prophète, tout le monde devient prédicateur, tout le monde devient apôtre, tout le monde devient euh, euh, quelqu'un qui doit dénoncer le péché, machin, tout ça. C'est la confusion totale. Même le diable se dénonce lui-même. Voilà. Donc, euh, pour créer la confusion. Donc euh, c'est compliqué, mes amis, là. C'est terrible. Hum? Donc, euh, et il et, et, y a autorité et autorité. Voilà. Il y a autorité et autorité. Quand il fallait réveiller Tabitha, on n'est pas parti. Les disciples ont prié, c'est écrit. Vous connaissez cette parole, non Ils ont prié, 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 prié. Rien. Son esprit était à côté. Hein? Mais l'esprit de Tabitha n'obéissait pas à la prière des saints. Parce que l'autorité, il fallait l'autorité spéciale. Une autorité, n'est-ce pas, qui a, qui a été mandatée, qui a été reconnue. N'est-ce pas Donc l'autorité divine, bien sûr. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, mes amis, quand on dit nous sommes tous frères, nous sommes tous frères, c'est vrai. Mais en même temps, nous sommes dans un corps et on n'a pas la même fonction. Non, pas la même fonction. C est, c est, c est, c est, les choses doivent être claires. C est, c est, je ne parle pas forcément de moi, je ne parle pas de moi. Vous n'allez pas dire, ça y est, il parle de lui. Non, c'est pas, on se connaît. On veut être biblique. Voilà, on est dans la parole là. Alors on ne cite pas les noms de, des gens d'aujourd'hui. De, on est dans la parole. Voilà, c'est important, frère, parce qu'il faut l'équilibre. Il faut les parce que s'il y a la confusion, on ne sait plus qui est qui. Eh ben, comme dans une équipe de foot, hein, tout le monde n'est pas buteur. Voilà. Il y a des gens qui sont des buteurs. Donc il faut reconnaître quand on a le ballon, c'est à eux qu'il faut céder. Il ne faut pas le garder avec soi. Voilà. Alléluia. Nous sommes dans une armée, faut pas l'oublier. Tout le monde n'est pas. Il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des sergents, il y a des commandos, il y a des parachutistes. Il y, y a tout ça là, mes amis. Et il y a le roi de roi qui est au -dessus, au dessus de tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, euh, mes amis, on prêche l'évangile est complètement mélangé. On est tous égaux devant le Père parce que c'est notre papa. Mais par rapport aux fonctions, chacun a une fonction bien définie. Voilà. D'accord. Regardez dans Acte chapitre 8 les hommes que Dieu recommande. Les hommes et les femmes que Dieu recommande. Voilà. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même. Donc, ça y est, un une personne que Dieu a appelée ne va pas appeler les frères et ça pour dire venez prier chez moi. Non. Regardez mes vidéos. Non. Il ne peut pas. La personne que Dieu, Dieu appelle ne va pas vous envoyer des mails personnels pour vous dire regardez cette vidéo, regardez mes, mes enseignements. Non, non, non. Dieu envoie les anges pour parler à ses enfants. Dieu donne des songes et des visions à ses enfants. Il leur dit celui-là est mon serviteur, celle-là est ma servante. Voilà, c'est comme ça que Dieu opère. Nous sommes dans Acte chapitre 8, regardez bien. Et euh, Philippe arrive dans la Samarie, il prêche l'Évangile et beaucoup de gens étaient touchés, comme on le sait. Hein. Et euh, voilà, et au verset 14, Acte 8, 14, Or, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem eurent entendu que la Samarie avait, aussi, avait reçu pardon, la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean qui étant, qui étant descendu, prière pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, mais seulement ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Philippe fait l'œuvre ici. Il y a eu des miracles, des guérisons comme pas possible. Mais Philippe n'avait pas ce, ce, cette autorité-là pour communiquer certaines choses spirituelles qui manquaient aux Samaritains. Et Philippe a reconnu ses limites. Il était évangéliste et il est, il est parti ailleurs. Les apôtres sont venus avec l'autorité apostolique. Regardez, Philippe nous dit la parole était euh, comment dire at, euh, Comment Simon le magicien était attaché à Philippe, voyez. Mais Simon le magicien, mes amis, n'a pas été repris par Philippe, corrigé par Philippe. Pourtant, on nous dit qu'il était attaché à Philippe. Il y a des choses que Philippe ne voyait pas. Vous voyez, non Mais quand les apôtres sont arrivés avec l'onction du redressement, hein? <laughs> le, le, le bâton, comme Paul dit, l'autorité que le Seigneur m'a donnée, non pour détruire, mais pour construire, pour bâtir. C'est ça l'apostolat. Les apôtres arrivent, automatiquement la vraie nature de Simon le magicien s'est manifestée. Et il a proposé de l'argent à, à Pierre. Vous voyez, non Pourquoi est-ce qu'il n'a pas proposé de l'argent à Philippe Parce qu'il ne voyait pas une certaine dimension chez Philippe. Il ne faut pas oublier certaines choses, mes amis, la jeunesse. C'est important. On vous parle, mes amis, là, selon l'esprit. Ceux qui ont l'esprit les, de Dieu saisissent le message. Amen. Il faut reconnaître ses limites. Amen. Ah, bah attends. C'est ça le royaume. Hein? Pierre dit que ton argent périsse avec toi. Vous voyez, mes amis bah, Oui, oui. Et là, Philippe était démasqué. Simon le magicien était démasqué. Et quand les apôtres ont fini, ils sont partis. C'est ça l'œuvre du roi, du Seigneur. Aujourd'hui, mes amis, tu fais quelque chose, tout le monde veut faire comme toi. Tu fais un travail, tout le monde veut faire comme toi. Tu écris un livre, ils veulent écrire des livres. Tu fais un programme, ils veulent faire des programmes. Tu vas voir les sorciers pour amener l'évangile, ils veulent faire la même chose. Est-ce que Dieu t'a oué pour aller voir les sorciers tu vas mourir avant le temps. <laughs> Jeunesse. Hein? Que l'excitation ne te fasse pas croire que tu as cette onction-là pour aller faire cette œuvre-là. Il faut que Dieu parle. Ah oui, mes amis. Les fils de Séva n'ont pas été recommandés. Paul a été recommandé. Les démons ont dit Nous savons qui est Jésus et nous savons qui est Paul. Mais vous, qu'êtes-vous Qui vous a recommandé Mes amis. Il y a des choses. On fait pas pour faire, on fait parce que Dieu a recommandé, Dieu a mandaté, Dieu a dit va. Voyez, tu manges le poison, tu ne meurs pas. Tu bois de choses empoisonnées, ça passe pas. Les flèches tombent sur toi, tu ne ça passe parce que Dieu t'a recommandé et il t'a saisi. C'est ça. Paul dit nous ne dépassons pas nos limites. C'est important. Tu veux rentrer dans tout le champ, tu vas mourir, hein? Il y a des, des, des champs, des, des endroits, des, des champs où il y a des esprits territoriaux qui, euh, qui sont là, qui opèrent. Et si tu n'as pas le mandat et que tu t'aventures là-bas, tu meurs. Tu meurs. Paul voulait aller à Misi, Dieu dit non. Il voulait aller dans l'Asie mineure, Dieu dit non. Pendant la nuit, Paul reçoit une vision. Dieu lui dit, c'est la Macédoine. Vous voyez mes amis il, y a des, il faut la sagesse parce que dans la recommandation du Seigneur, il te recommande les, les frères et sœurs, les, 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 les hommes et les femmes qu'il a appelés. Et il vous recommande aussi des champs missionnaires, bien spécifiques. Voyez mes amis. Et là, on a vu dans le cadre de la Samarie comment euh, les apôtres étaient recommandés par le Seigneur et, euh, et ce qui s'est passé avec Simon le magicien. Nous sommes dans le cas de et par, par, par exemple dans et euh, dans acte chapitre 15 par exemple nous sommes dans acte chapitre 15 et euh, nous lisons à partir du verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens avec toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas Jude appelé Barsabbas et Silas homme considéré entre les frères. Ils ont été recommandés. N'est-ce pas Donc Dieu les a Dieu a, le Seigneur a utilisé l'Église, l'église pour recommander ces hommes. Jude et Barnabas. Et regardez la parole nous dit quoi Verset 32, Jude et Silas qui étaient eux-mêmes prophètes Exhortèrent les frères par plusieurs discours et les fortifièrent. Voyez? Donc, ils ont été recommandés par le Seigneur. L'Église a vu leurs fruits. L'Église a vu leurs témoignages. Ils ont été, l'Église aussi les a recommandés. Et on nous dit qu'ils étaient prophètes. Et on voit les fruits par la suite. Et on voit Silas avec Paul dans Acte 16. Comment Dieu se servit d'eux. Silas, un prophète authentique. Recommandé par le Seigneur. Voyez? Et c'est terrible. Mes amis. Et euh, regardez comment le Seigneur a recommandé Paul auprès de, Bar auprès de Barnabas, euh, auprès de Ananias, pardon, qui avait peur de Paul, mais Dieu va donner un songe à Barnabas pour dire cet homme est un instrument que j'ai choisi. Je lui montrerai tout ce qui doit souffrir. Dieu recommande, c'est pour cela, mes amis, vous voyez, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons, les attaques que nous subissons, nous ne voulons plus passer notre temps pour nous justifier, ça sert à rien. C'est une perte de temps et c'est donner de l'importance aux gens. Nous prions et Dieu vous donne des songes. Nous prions et au travers... Donc, comment Dieu recommande les gens Premièrement, il donne des... D'abord, il y a les fruits. D'accord La recommandation du Seigneur par les fruits. On, dans Matthieu 7, il est dit quoi On reconnaît un n'a par les fruits. Voilà. La sanctification, la sainteté, l'amour de la vérité, l'amour pour les frères et sœurs, pour les pauvres, pour les orphelins, tout ça. Donc, d'abord, il y a les fruits. Donc, le Seigneur disant que c'est Matthieu 7, 15 à 20. Donc, vous, vous le connaissez, ce passage. Dieu recommande par les fruits. Comment savoir qu'une personne, ou un homme ou femme, a, a été recommandé par le Seigneur Regardez d'abord aux fruits. D'accord Deuxièmement, comment Dieu recommande-t-il ses serviteurs Par les œuvres. Paul dit dans 1 Corinthiens 9 il dit ceci. Verset 1 ne suis-je pas apôtre Ne suis-je suis pas libre N'ai-je pas vu notre Seigneur Jésus-Christ N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur Waouh Paul disait que les Corinthiens étaient son œuvre. C'est fort hein, quand même. Hein? Si je le dis aujourd'hui, on dira, ça y est, il a dévié. <laughs> voilà. Ça y est, il a dévié tout ça. Là. Il dit que c'est son œuvre. Voilà. Paul dit que vous êtes, vous êtes mon œuvre. Voilà les fruits, les hommes et les femmes. Qui sont engendrés. Les hommes et les femmes qui sont, mes amis, engendrés par la prédication qui nous a été confiée. Hommes et femmes de toutes les nationalités qui sont là, qui se convertissent, qui se baptisent, qui se forment et qui servent le Seigneur. Voilà les signes de la recommandation du Seigneur. Quand on voit cela, on dit Dieu a recommandé. Oui, frère, les signes parlent. D'abord, les âmes. On voit les fruits. Donc les fruits, l'amour, la paix, l'humilité, tout ça, toutes ces choses. Deuxièmement, il y a les hommes Hommes et femmes qui se convertissent. Paul disait aux Corinthiens, vous êtes mon œuvre. Troisième chose, toujours par rapport aux œuvres. Hein, donc, et Paul dit quoi et, euh, Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Vous êtes le sceau de mon apostolat. C'est toujours les hommes, bien sûr, dans le Seigneur. Et il dit par la suite, dans euh, la troisième Donc premièrement, on reconnaît qu'une personne est recommandée par les fruits de l'Esprit, Galate 5, 22. Euh, la nature de Dieu en nous, la sanctification et la crainte de Dieu, l'amour pour la vérité. Deuxièmement, on reconnaît qu'une personne est appelée par le Seigneur et recommandée par le Seigneur, par les âmes que ces hommes, n'est-ce pas, et, euh, qui sont transformés par le Seigneur au travers de cette femme, de cet homme, de sa prédication, son enseignement, n'est-ce pas? Et euh, comme Paul l'a si bien dit, et, euh, vous pouvez avoir 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur. Et troisièmement, on reconnaît qu'une personne est recommandée par le Seigneur comme Paul le dit si bien dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 12 Certainement les marques de mon apostolat se sont accomplies parmi vous par une patience entière. Donc là, il est question des fruits de l'esprit, vous avez vu. Voilà. Ensuite, pas des signes, des prodiges et des miracles. Donc là, c'est la troisième, euh, comment dire, il y a les fruits de l'esprit, il y a les âmes qui sont touchées par le Seigneur transformées, et troisièmement, il y a bien sûr les signes et les miracles. Frères et sœurs, c'est toujours d'actualité, bien sûr, Dieu guérit toujours. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah qui disent que Dieu ne parle plus, Dieu n'agit plus. Nous ne sommes pas des musulmans qui disent que Dieu ne, 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 ne fait plus rien. Le, la vie chrétienne, la foi chrétienne est basée sur la résurrection du Seigneur. Corinthiens, n'est-ce pas, le 10-15 voilà, 19 à, à, à 30 sur la résurrection, or la puissance de la résurrection est celle qui ressuscite les choses qui sont mortes en nous des organes qui sont défectueux, qui sont, qui sont malades eh bien, sont restaurés par la puissance de l'évangile et c'est ça la vie chrétienne elle ne se limite pas seulement à la dénonciation à la prédication, à l'enseignement et aussi à la démonstration de la puissance de Dieu les démons doivent être chassés les malades doivent être guéris les sidéens doivent être guéris. Voilà. Si vous dites seulement que oui, il y a des miracles mensongers, mais vous ne vous arrêtez que sur la fausse monnaie, est-ce que dans, la, dans le monde, même dans le monde, il n'y a que de la fausse monnaie La vraie monnaie n'existe pas. Il y a un problème. Il n'y a plus d'équilibre. Voilà. Tout est démonisé, tout est démoniaque. Tout, tout, c'est Satan qui fait, Satan qui fait, Satan qui fait. Mais quand est-ce que Dieu va agir Le Seigneur a dit dans Jean 5, 17, mon père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Il a dit là, Jean 14, hein, 12, ou hein, 12, 14, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Mais où sont les œuvres que vous faites Où sont les œuvres des églises Où sont les baptêmes Où sont les conversions Où sont les délivrances et les miracles que Dieu opère Où sont ces choses-là Nous sommes allés hier à, à, dimanche à Nantes. Si on peut nous balancer encore cette image là, mes amis, pour que les gens voient le, le travail que le Seigneur fait. Hein. On est allé, une femme est venue sur son fauteuil roulant. Et le Seigneur m'a poussé, il m'a dit, prie pour ses jambes. J'ai prié pour ses jambes, mes amis. Ses jambes étaient complètement euh, euh, fatiguées, mes amis, et, et complètement molles comme ça, là, mes amis, là. Et là, tu pries, tu pries. La puissance de Dieu est venue sur elle en direct, mes amis. La puissance est là pour nous oh nous élevons ton nom tu vas lâcher ma soeur tu vas lâcher ce corps sort de là au nom de Yeshua quitte là adorons le il y a une belle onction ici Sors sort d'elle sort d'elle cette malédiction la familiale là. voilà tu vas lâcher son corps. Tu vas lâcher ses membres. Tu vas lâcher ses bras. Tu vas lâcher ses, ses jambes. Démon, Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, remonte et sort. Allez, remonte et sort. et te vomit au nom de Yeshua. Oh, il y a une onction ici, là, mes amis. Là. Oh, Alléluia. Alléluia. Lâche-la, là, lâche-la, là, lâche-la, là, lâche-la. Nous élevons ton nom. J'en tiens moi ça, là. Chantons ce chant à la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vas lâcher ces jambes. Tu vas lâcher ces jambes. Tu m'entends. Allez, va-t'en. Voilà. Allez, sors de là. Allez, sors de là. Sors de là au nom de Yeshua. Ce cantique à la gloire de Dieu. Nous élevons ton nom tous ensemble. Nous élevons. Chantons-le, chantons, -les, chantons à la gloire de Dieu. Nous élevons ton nom. comme ça on y va Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus je ah, Julie, tu peux prier pour les gens Nous élevons Adonai Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus. Ensemble-nous, oh, le Seigneur, il est vivant. Ensemble-nous, oh, le Seigneur, il est vivant. Ensemble-nous, oh, le Seigneur, il est Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une des joies, il me saute, je suis dans l'allégresse. Yahweh, Ah Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans ah, la joie. Une joie. Il me saute. Ah, je suis dans l'allégresse. Si tu ne crois jamais, ah, Yahweh m'a libéré. Je suis je suis dans la joie, une joie, immense, je suis dans est joie, Yahweh m'a libéré. suis dans la joie, joie, Immense. suis dans la mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne puis rien à craindre, Kayaoué m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne puis rien à craindre, Kayaoué m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'a jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis, dans la, je suis dans, la joie, dans la joie, il est joie, il m'a sauvée. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Il est vivant et il règne. Oh bien-aimé, n'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte. Jésus règne. Il est vivant. Il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Il est la résurrection. Alléluia! J'ai une permission de 24 heures. Je suis hospitalisé à l'hôpital d'Angers depuis plus d'un mois. J'ai fait Dix jours à l'hôpital de Saumur pour je ne sais pas trop quoi, mais euh, je ne rentre plus dans ce fauteuil. Amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus est apparu pour détruire la puissance de l'ennemi, pour détruire la puissance de Satan, et nous allons continuer à proclamer Jésus-Christ vivant. Nous allons continuer à œuvrer. Moi, je vis en Angleterre. Et je suis tombé malade en France. Ma famille en Angleterre, mes enfants, ils sont. Ah oui. Notre Dieu, ce avec Dieu, ce n'est pas du blablabla. Bla, bla. Non, ce n'est pas du blablabla. Bla, bla. Quand Élie, mes amis, est venu sur la scène, il n'a pas apporté seulement l'évangile pour dire aux gens, non, venez à Jésus-Christ, à Dieu, à Yahweh. Il a aussi démontré, il a d'abord fait les choses selon la parole. Ensuite, il va prier, il va dire, je tout fais Seigneur, selon ta parole. Et Dieu a envoyé le feu. Dieu a envoyé le feu. Et c'est ça. Nous sommes dans une génération, vous avez vu toutes ces, malades qui nous, ces maladies que nous avons aujourd'hui, qui n'existaient pas avant. Sida, Ebola, cancer, euh, hépatite, tout ce que vous voulez, mes amis. Il y a des maladies qui ont, qui ont des noms bizarres aujourd'hui. Et les gens sont fatigués, les gens sont condamnés. Mais vous allez leur prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez prêcher quel message Jésus revient, nous sommes d'accord, il, il faut le prêcher. Mais, mais mes amis, c'est quoi la différence entre Bouddha et Jésus c'est quoi la différence entre Mohamed et Jésus C'est quoi la différence entre l'islam et la 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 foi chrétienne Quelle est la différence, mes amis, entre entre les 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 les, les témoins de Jéhovah et et ceux et, et nous qui cherchons le à, à, à plaire au Seigneur Jésus-Christ, qui croyons à sa divinité Quelle c'est quoi la différence Et c'est quoi la différence entre ceux qui aboient ici et là et nous qui et des chrétiens authentiques Eh ben la différence se fait par la puissance de Dieu. Voilà. La différence s'est faite entre Moïse et les prophètes de, 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 de Pharaon, ces magiciens, par la puissance. Bah ben ouais. Arrivé au troisième miracle, les magiciens ont dit Ça, c'est le doigt de Dieu. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Si Dieu n'est pas avec toi. Ah oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Oh non, mais Satan aussi fait ces choses-là. Bah ben oui, mais les magiciens sont arrêtés au deuxième miracle. Voilà. Ils vont imiter, mais jusqu'à un niveau, un certain niveau. Mais après, ils ne pourront pas. Ils pourront pas. Les sorciers se convertissent. Ça, c'est la puissance de Dieu. Hein? C'est ça l'Évangile. C'est pour cela, mes amis, il faut dire à tous ces mondes-là, tout ça qui se, tout ceux qui se lèvent comme des prophètes. Eh ben, il faudrait aussi qu'ils aillent prier pour les sorciers. Voilà. Qu'ils aillent dans des villages, qu'on amène des vidéos, qu'on montre des vidéos. On verra si on va pas les manger par les sorciers. C'est ça la différence. Paul dit Je viendrai parce qu'il y en a. Ils se sont glorifiés comme si euh, euh, je ne dois pas aller chez eux un Corinthiens 4, là-bas, là, il dit « J'irai et je connaîtrai non la parole, mais la puissance. » Parce que Paul était sûr de l'autorité qu'il avait reçue. Il était sûr. Et voyez ici, il dit clairement par les signes et les miracles. Moi, je dis, frère et soeur, quand Dieu m'a dit « Va et libère mon peuple. » Je dis « Seigneur, Amen. » Mais je veux pas y aller seulement avec les blabla avec les histoires, avec les les, 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 les la parole que le Seigneur a guéri hier. Alors que ma, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ah oui et le Seigneur agit à cause de ton nom. Et quand on voit des gens guéris, quand on voit des sorciers qui viennent et qui disent on veut plus de la sorcellerie, ah ça c'est magnifique. Je me rappelle quand on était petit, cet homme de Dieu qui a été pour nous un, un bel exemple, Osborne, qui a beaucoup annoncé l'Évangile, n'est-ce pas, qui a distribué des, des, des Bibles, des livres gratuitement pendant des années. Mais Osborne est allé quelque part, il est parti en Inde de mes amis, il a prêché l'Évangile, les Hindous étaient là avec leur puissance démoniaque. Mais eh on a démontré la puissance du royaume de Dieu. Et les Hindous étaient plaqués au sol. Mes amis, beaucoup s'étaient convertis. Voilà. Ce n'est pas avec du blablabla. Bla, bla, bla. Non. Parce que oui, l'hébreu, le grec, oui, si on peut le travailler, amen, gloire à Dieu. Mais tu ne vas pas guérir un handicap avec l'hébreu, le grec. Hein. Hum? À moins que tu le payes un sandwich grec. Mais et Encore, tu vas nourrir son ventre. Mais il va te dire, mais oui, mais mon coco, moi mes jambes, il faut le guérir, mon coco. Là. Tu me dis que le Seigneur Jésus-Christ a guéri, mais moi, qu'est-ce que tu fais Vous voyez Et les juifs, les, les, les pharisiens passaient leur temps dans l'hébreu, l'araméen, tout ça, là, dans les écoles rabbiniques. Et ils n'ont pas vu qu'il y avait des malades autour d'eux. Vous voyez, mes amis Ils n'ont pas vu que dans le temple où ils allaient adorer, soi-disant, Dieu, devant l'entrée principale, il y avait un handicapé. Hein? Un boiteux de, de naissance. Depuis sa naissance, le gars était là. Hein? Eux, ils entrent avec leur, 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 gros rouleau pour aller prêcher Yahweh qui guérit. Hein? Parce que c'est écrit dans les 50, 61. Ils lisaient cela. L'esprit de Yahweh sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir, pour délivrer, pour sauver, pour annoncer la bonne nouvelle. Oui. Mais le malade était là, à chaque fois. Mais le pharisien, guérit c'est moi. Ah, ah, nous, là, on a, on a, la connaissance, mais on n'a pas la puissance. Mes amis. Et puis, Dieu prend des pauvres pécheurs, des hommes sans lettres, hein, du commun peuple. Dieu les prend. Il est oint. Et ce jour-là, mes amis, acte 3. recommandé par Dieu. Paul, Pierre et Jean. Pierre et Jean allaient à la prière pour annoncer l'évangile. Et ils trouvent ce monsieur qui était là, qui faisait la manche. Pierre le regarde. Le fixe de même que Jean. Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Quel évangile. Il dit, ce que j'ai. Mais faut être sûr de ce que tu as reçu. Hmm? C'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. C'est pas mauvais. Non, il ne faut pas confondre les choses. Il y a une fausse modestie, ce n'est pas ça, une fausse humilité. -tu, mes amis, qu'as-tu que tu n'aies reçu, reçu Donc, on a reçu des choses bah, Oui. Et Pierre a dit ce que j'ai, je te le donne. Donc, ce que nous avons reçu, on peut vous le donner. Alléluia. <laughs> mes amis, Paul dit nous enrichissons plusieurs. Hein? Nous sommes regardés comme des imposteurs, mais pourtant, nous bénissons plusieurs. C'est ça l'évangile. Il dit ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'il avait reçu, c'est Jésus. Le nom. Le Seigneur leur avait dit, en ah, mon nom, vous ferez ci, vous ferez ça. Il dit, lève-toi et marche. Le gars n'a pas voulu se lever. Le gars a donné l'argent. Pierre ne s'est pas arrêté. Là, c'est écrit. Hein. Pierre a pris sa main. C'est un homme violent, mes amis. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Pierre dit, j'ai reçu quelque chose, tu vas marcher aujourd'hui. Lève-toi et marche. Quand nous parlons comme ça, on dit non, il y a l'orgueil, machin. Non, on sait, nous savons ce que nous avons reçu. Vous avez reçu quoi La jalousie. La jalousie. Hein, vous prenez la DSL, connexion Internet, ça y est, vous devenez des prophètes. C'est facile ça. Commencez les églises, tout ça, là, et puis les gens viennent, tout ça, c'est dim matin, dim le soir, dim à midi, 10 si, au fond du prophète, et machin, tout ça, vous couchez avec des jeunes femmes, et tout, 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 vous vous associez avec les masturbateurs, qui sont sur leur jacuzzi, tout ça, là, qui se lavent avec des femmes nues. C'est la confusion totale, mes amis, confusion totale! Ça crée des chaînes de télé, tout ça, il y a seulement deux pèlerins, trois, quatre vues, tout ça, même s'il y avait cent mille vues. Même s'il y a quatre, quatre-vingt-mille vues. Mais où sont les délivrances? Le peuple veut voir là où Dieu agit. Ben bah oui. Le peuple, le peuple a soif, le peuple est fatigué. Les gens sont dans les hôpitaux. Le Seigneur, mes amis, <laughs> dans Acte 9, cet homme qui était aveugle. Pareil, hein, vous savez, il y avait beaucoup de problèmes hein, à l'époque. Hein, comme comme, comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup de problèmes autour du temple. Autour du temple, il y avait beaucoup de pauvres. Les aveugles, les handicapés, tout le monde était là. Mais les pharisiens n'avaient pas l'onction. Les pharisiens critiquaient tout le temps. Ils étaient là avec leur loupe, cherchant les choses, comme ce soir, voyez, mais dépourvus, dépourvus de la puissance, <laughs> mes amis. Cet homme né aveugle était là et il attendait sa guérison. Le Seigneur vient par là, il, il lui dit, mais écoute, euh, d'abord il crache par terre, on allait dire les, ah, voilà la sorcellerie tout ça, là. il crache par <laughs> terre tout ça là. Hein? Il fait de la boue. Il applique sur ses yeux. Il lui dit Va te laver au réservoir de Siloé. Il n'a pas dit Pierre, accompagne-le. Il dit Allez, chut, va te laver toi, aveugle. Ce monsieur ne savait pas où se trouvait Siloé. Mais celui lui dit Vas-y. Parole, la parole. Mes amis, cet homme a été guéri. Les pharisiens ont dit quoi Donne gloire à Dieu parce que c'est un pêcheur. L'homme a dit Moi, je ne sais pas si c'est un pécheur ou pas. Moi, je ne sais pas s'il fait, je ne sais pas quelle danse. Ça, ce n'est pas mon problème. Je sais une chose c'est que j'étais handicapé. Maintenant, je, je marche. Voilà. C'est pas compliqué. J'avais le sida, maintenant je suis guéri. Les preuves sont là. Mon médecin n'a pas pu me guérir. Mon infirmière n'a pas pu me guérir. J'étais condamné, maintenant je suis guéri. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse C'est ça la parole. Guéri, libéré, restauré. Ils lui ont dit donne gloire à Dieu, c'est un pécheur. Mais un pécheur qui fait des miracles. Authentique en plus de ça. On peut dire bon, c'est la sorcellerie, mais authentique. Chrétien, l'homme que Dieu recommande. Il y en a beaucoup ce soir, ici même ici, des gens que Dieu recommande, hein? des frères et soeurs que Dieu recommande. Vous êtes nombreux, peut-être vous qui êtes assis chez vous, pleurant parce que vous êtes abandonnés, délaissés, blessés. Eh bien, laissez-moi vous dire que Dieu vous recommande. Alléluia. Dieu vous recommande. Voyez? Quand Dieu recommande une personne, la personne devient un instrument. Un instrument. On va dire non, c'est l'idolâtrie, c'est pas l'idolâtrie, c'est Dieu qui recommande. C'est Dieu qui re... Dieu parle à son peuple. Le Seigneur a dit quoi? Mes brebis entendent ma voix et elles ne suivront point un mercenaire. Les mercenaires, mes amis, là, les mercenaires sont, sont là, il y en a beaucoup. Beaucoup. Et, mais les vrais enfants du Seigneur, mes amis, reconnaissent la voix du maître. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même. Oui, il y en a beaucoup qui se recommandent. Il faut les affiches. À pour des nations, prophètes des nations. Venez, il y aura des miracles. Vous avez sur, les, sur Internet tous ces, toutes ces pubs, mes amis, venez, amenez les malades, il y aura des miracles, les malades vont là-bas, mes amis, ils ressortent, il n'y a pas de guérison. Hmm? Ça, c'est la recommandation personnelle. Il y a, ils, ils font des cartes de visite pour se recommander, tout ça. Il y en a même, je me rappelle, à l'époque où j'étais dans, dans la fonction pastorale, des gens qui venaient d'Afrique avec des lettres de recommandation. Voilà, mon église m'a recommandé, je dis, voilà, mon frère, assis-toi là. On va voir si tu as été recommandé par Dieu. Amen. Voilà. Et en vérifiant, on s'est rendu compte que ce n'était pas Dieu qui les avait recommandés, c'était les hommes. C'est celui que Dieu recommande. Et vous savez, quand Dieu recommande, comme je vous disais, quand Dieu recommande quelqu'un à ses enfants, à, à, à un pays, à une nation, Dieu impose cette personne aux hommes. Il dit c'est celle-là, c'est ma fille, vous n'avez pas le choix que de passer par elle. Bah ben oui. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Quand Dieu a recommandé Déborah aux enfants d'Israël, elle était une femme, hein? mais Dieu a dit c'est elle. C'est elle et c'est pas quelqu'un d'autre. Quand Dieu a recommandé Moïse, ses frères ont, ont, ont dit quoi Qui t'a établi juge, chef sur nous Hein Ils l'ont chassé, non Mais 40 ans après, quand Dieu l'a recommandé, les mêmes frères avaient changé de langage. Pourquoi Parce qu'au départ, quand Moïse a recommandé lui-même, il n'avait pas l'onction. Il n'avait pas l'autorité. Il y avait aucune puissance. Comme beaucoup de ceux qui parlent ici et là, il n'y a pas quand vous, vous vous il y a pas la puissance. Ils sont secs, ils sont morts, comme on dit cadavérés. Voilà. Ils sont vides. Voilà pourquoi mes amis, ils veulent vous distraire. Hein, vous avez vu là-bas, vous avez vu là-bas tout ça, ils font des recherches partout, ils, ils adorent Dieu de vous enseigner correctement et vous distraire. Voilà. Maintenant il n'y a rien, c'est vide. Qu'il fasse de programmes sans affiche, véritable, on verra. C'est ça, mes amis, la différence. Hein? Il faut le mandat. Il faut que Dieu mette son sceau sur toi. C'est ça la différence, mes amis. Une fois que Moïse a été équipé, d'abord, il est passé par l'école, parce qu'il n'était pas passé par l'école. Pour que tu sois recommandé, pour que tu sois accepté par les vrais enfants de Dieu, parce qu'il est faux, ils vont te rejeter, bien sûr. Mais les vrais enfants de Dieu vont dire non, ça c'est Dieu. Mais il faut que tu passes par l'école, il faut que tu souffres, que Dieu te brise, la croix, tout ça. Et ensuite, Dieu va mettre son onction sur toi, l'autorité, le feu. Quand Moïse est reparti avec le bâton, <laughs> mes amis, ils ont vu le bâton, ce que le bâton pouvait opérer comme signe. Hein? Ils ont vu la mer rouge se séparer en deux. Ils ont dit "Ah Moïse, Dieu avec lui. Ah non, Moïse intercède pour nous, <laughs> mes amis. Toi, va parler à Dieu, mais qu'il ne nous parle pas. Parce que toi, là, tu as été recommandé. Voyez, parce que Moïse a été recommandé, il a posé sa main sur Josué. Josué a reçu l'onction. Ouais. Voilà. Moïse a été recommandé, il priait Dieu a exaucé. L'homme que Dieu recommande, frère, quand il prie sincèrement, Dieu exauce. Je vous dis, Dieu exauce. Dieu exauce. Il n'y a pas besoin de plusieurs paroles. Une parole suffit seulement. Je dis frère, vas-y, c'est bon, c'est réglé. Il n'y a pas besoin de, c'est quoi la maintenant, c'est réglé. Je sais qui m'a appelé. Je sais que je ne suis pas appelé tout seul. C'est ça il faut dire frères et sœurs. Dites cela aux gens qui doutent. Dieu, Dieu c'est Dieu qui vous a appelé, mes amis. Vous qui aimez la vérité, Dieu vous a recommandé. Faites le travail. Vous verrez les fruits. Ne cherchez pas à ce que les hommes vous recommandent. Non. Oh, venez, vous allez être dans une pastorale, on va vous recommander. Non, mais vous, vous n'avez rien compris. c'est n'est pas Jézabel qui doit vous recommander. c'est pas l'église babylonienne qui doit vous recommander. c'est pas c'est pas Babylone. C'est Dieu qui vous recommande. N'allez pas chercher la collaboration des grands bishops pour être recommandé. Non. Non. Dieu vient, il. Vous savez, l'onction la, la, de Dieu sur votre vie, l'onction de sainteté, c'est la qualification du Seigneur. Vous voyez? Et. Et ça, là, mes amis, ce qui a fait la différence entre Jésus et les pharisiens, c'est que le Seigneur, quand il priait, Yeshua, homme, le Père, écoutez. Il dit, ôtez la pierre. Il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé, mais je fais cela pour, pour que les gens qui sont là, pour qu'ils voient. Ôtez la pierre. Lazare sort. Lazare est sorti. La recommandation du Seigneur, quand tu es recommandé, les démons le savent. Parce que quand Dieu recommande une personne, l'annonce est faite dans le ciel. L'annonce est faite sur terre. L'annonce est faite sous terre. Donc tous les esprits sont au courant. C'est pour cela que les démons disaient, nous savons qui est Paul. Ah ben oui. L'enfer est au courant qu'il y a une nouvelle personne que Dieu a recommandée. C'est comme ça. Et quand tu marches dans la rue, l'enfer s'écarte. Les démons s'écartent. Toi, tu ne vois pas. Mais ils s'écartent. Parce que tu, tu, tu marches avec le royaume. Tu arrives avec le royaume. C'est ça, mes amis. C'est pour ça que l'homme de pierre pouvait guérir les malades. L'ombre de pierre, pourquoi Pierre était recommandé. Son homme ne pouvait que bénéficier de l'onction. Ah, mes amis. Il y a des gens Ils sont comme nos ombres. Ils bénéficiaient de l'onction parce que tu, tu as été mandaté. C'est ça qu'il faut comprendre. L'ombre. Vous avez déjà vu une ombre guérir les gens Ben bah oui, c'est dans la Bible, frères et sœurs. Il y avait tellement de malades, on a dit il faut les aligner là parce que Pierre est fatigué. Certainement, il est tout seul. Alors l'ombre va l'aider. <laughs> <laughs> Collaboration avec l'ombre, mes amis. Hein que Dieu. Vous avez vu ça, mes amis. Il y avait tellement de malades, on s'est dit, mais comment on va faire Bon, Paul est tout seul, il est tout, tout seul, mais le recommandé pour notre génération. Alors prenons des mouchoirs, appliquons-les sur son corps. Allons dans les hôpitaux. Les gens étaient guéris. Ils n'ont pas fait une doctrine. Mais vous voyez la, la puissance de Dieu. Amen. Dieu ne vous a pas recommandé, ne vous mettez pas le joug sur vous. Attendez le temps. Attendez le temps. Hum? Ne vous mettez pas la pression. Il faut que je fasse comme tel frère, comme telle sœur. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est le temps Ah oui, tu vas mourir. Quand une femme va passer devant toi, tu vas tomber. Parce que tu n'es pas assez mûr. Il faut laisser le, le Seigneur te travailler. C'est comme c'est comme un bébé qui, n'est-ce pas, qui 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 a cinq mois de grossesse. L'enfant veut sortir déjà là. Il va mourir. Hein? Même quand il sort à cinq mois, à six mois, il faut encore une couveuse là pour parce que c'est pas encore le temps. Dernièrement, hein? ils sont sortis trop vite de les amis dans les couveuses spirituelles. Voilà, ils sont encore, ils attendent encore là. Le Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie tout ça oui. il est en train de te couver là. parce qu'il faut, hein? il faut le temps. Alléluia. On ne comprend pas tout, mais qu'est-ce qui se passe sur Satan m'a bloqué? Satan ne peut pas bloquer un enfant de Dieu. Les démons ne peuvent pas bloquer un, un élu. Nous sommes élus, frère. Vous vous rendez compte? Choisis par Dieu avant notre création. Hein? Sélectionné. Élu. Un élu. Ah <laughs> mes amis. Hein? Il y a eu une élection. Et tu as gagné. Tu as remporté. Tu as été élu. Frère, le mandat. Quand. Paul parle. Quand Paul parlait, genre, il y en a qui disaient Paul est charnel, d'autres disaient il orgueil. est orgueilleux. Non, là c'est la foi, la foi, la foi, la foi. Vous voyez mes amis, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à dire sur la recommandation du Seigneur. Quand Dieu te recommande, il y aura les fruits, il y aura les signes, et les gens diront. Oh, non, il a touché à la magie. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de gens, comme ils ne voient pas Dieu agir, donc quand ils voient les choses qui se passent, ils se disent, non, ça c'est la magie. Mais si avec la magie on peut faire des choses comme ça, et Dieu alors qui est tout puissant? Et Dieu? Quand Dieu te recommande, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. D'elles-mêmes. Pierre a été recommandé. Jean a été recommandé. Pierre, a été, Paul a été recommandé, Moïse a été recommandé, Abraham a été recommandé, Isaac a été recommandé, Élie a été recommandé, tous ces prophètes et Jérémie, tout ça, ils ont été recommandés par Dieu et on a vu leurs fruits. Et dans notre génération, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu, de chrétiens authentiques que Dieu recommande. Oui, des frères, quand tu le vois, Dieu te dit, celui-là c'est mon enfant. C'est ma fille. Il me recommande des gens, il dit, voilà, ça, c'est c'est mon serviteur, c'est ma servante. Il dit, waouh, Seigneur, merci. Sois frère, sois frère, soit encouragé, ma sœur, soit fortifiée. Parce que Dieu m'a parlé de toi. Tu es sa fille, tu es son fils. Et une fois que Dieu t'a recommandé, quelqu'un, quel que soit ce que les gens peuvent dire, moi, je dis, je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce que Dieu m'a dit. Voilà. Je ne veux pas tergiverser, je ne veux pas m'arrêter sur la recommandation des hommes, mais je m'arrête sur ce que le Seigneur dit. Et le Seigneur a dit quoi? Le témoignage de Dieu est plus important. Si vous recevez le témoignage des hommes, le témoignage du Seigneur, le Seigneur disait, est le plus important. Qu'est-ce que Dieu vous a dit sur vos frères et sœurs? En songe, en vision. Restez sur ce que Dieu vous dit. Restez sur ce que Dieu vous dit dans votre cœur. C'est ça la, la chose la plus importante. Et, pour finir, mes amis, l'homme ou la femme que le Seigneur recommande ne cherche pas des connexions avec les hommes ici et là. Il cherche à creuser, à développer, à approfondir sa relation avec Dieu. Il ne cherche pas l'argent ici et là. Il ne court pas après les hommes pour avoir de l'argent, pour avoir de, je ne sais pas, de la richesse, tout ça là. Il ne cherchait pas à paraître avec les grands prophètes de cette, de cette génération. Il cherche sa relation. Il se bat pour sa relation avec le Seigneur. Et je méditais ce matin, une parole qui m'a beaucoup touché dans 1 Corinthiens 3, 14. Paul disait, si l'œuvre bâtie par quelqu'un demeure, il recevra sa récompense. Et, euh, et le Seigneur a dit dans Jean dans Jean 15 "C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que vos fruits demeurent." Je crois que c'est Jean 15 16 et c'est le même mot grec demeurer. Pour avoir des récompenses parce que Dieu vous a choisi, Dieu vous a élu parce que Dieu vous a recommandé pour être récompensé à la fin de temps quand le Seigneur reviendra à la fin de toutes choses, il faut que nos fruits demeurent. Donc l'homme ou la femme que Dieu recommande fait une œuvre qui demeure. La personne fait une œuvre qui demeure même après sa mort. L'œuvre demeure. Et c'est ça la chose la plus importante. Chrétiens, nous sommes arrivés à une période très critique dans l'histoire de l'humanité. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup, beaucoup de tensions, comme vous le voyez. Des tensions ici à la guerre d'un côté, maladie de l'autre, troubles ici, troubles là-bas et, euh, et euh, confusion également. On ne sait plus qui est qui, pratiquement, parce qu'on est dans Babylone, c'est ça même la, la, la définition de Babylone. Nous avons besoin, justement, dans ce, temps, dans ce temps difficile, de creuser, de développer notre relation avec le Père, avec le Seigneur. Il faut être sûr et certain que Dieu vous a recommandé, pour ne pas vous laisser manipuler, pour ne pas vous laisser vous faire avoir. Il faut être sûr et certain de son appel, de sa marche chrétienne. Et pour avoir cette, cette, cette certitude, il faut avoir une bonne relation avec le Seigneur. Méditer la parole chaque jour, prier chaque jour, faire confiance au Seigneur et avancer simplement avec lui. On est dans une période, comme vous le savez, il y a beaucoup de distractions et nous devons racheter, racheter notre temps car les jours sont mauvais. Donc si Dieu vous recommande, mes amis, eh bien, il y aura des signes, il y aura des conversions, il y aura des baptêmes, il y aura des délivrances. Pas forcément comme avec euh, les uns les autres, mais en tout cas néanmoins, ce sont des bases, les choses de base. Donc c'est naturel de chasser les démons pour nous les chrétiens. C'est naturel de former les gens. C'est naturel de faire des baptêmes. C'est naturel, mes amis, de bien sûr de porter les fruits de l'esprit. C'est naturel, mes amis, d'apporter les enseignements, la recommandation du Seigneur. Donc le, va le passage euh, principal que nous avons utilisé, bien sûr, c'est 2 Corinthiens 10, 18. Donc je vais le lire avant de finir. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande et approuvé par qui? Approuvé d'abord par le Seigneur. Dieu n'approuve que les hommes et les femmes qu'il a lui-même appelés, n'est-ce pas? Et euh, et ensuite approuvé par les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur, les vrais chrétiens ne peuvent pas approuver une œuvre qui n'est pas de Dieu. Ils le il voit quand une chose n'est pas de Dieu. Ça se sent, ça se voit. Quand un prédicateur n'est pas de Dieu, quand un, une personne qui se sert de la Bible pour prêcher, pour enseigner n'est pas de Dieu, eh ben les vrais chrétiens le, le, le savent, ils le sentent. Même si, mes amis, dans un premier temps ils se laissent berner, mais à un moment donné ils vont découvrir la vérité, parce que les enfants de Dieu ne peuvent pas être séduits longtemps. Ils finissent par être éclairés par leur Père, par notre Père céleste. Donc, ne cherchez pas à ce que les hommes vous approuvent. Laissez Dieu vous recommander. C'est alors que les vrais hommes de Dieu, les vraies femmes de Dieu vont vous approuver. Ne cherchez pas à rentrer dans une fédération. Si vous êtes pasteur, si vous êtes apôtre, prophète, docteur, si vous dirigez les, les, les frères et si soeurs, vous êtes dirigeant d'une église locale. Ne cherchez pas la collaboration des pasteurs, des prophètes. Ne rentrez pas dans la compromission. Laissez Dieu vous recommander à ses propres enfants. Comme il a recommandé Pierre à Corneille. Comme il a recommandé mes amis Paul à Ananias. Comme il a recommandé mes amis Paul à Barnabas, Barnabas est allé chercher Paul pour l'amener à Antioche, vous voyez, comme il a recommandé euh, Jésus-Christ à, à ses disciples, regardez pour finir, vraiment, merci Saint-Esprit, il m'a donné un passage très capital par rapport à la recommandation du Seigneur. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17. Six jours après, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré en leur présence, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, ils virent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Alors Pierre prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Faisons-y, si tu le veux, trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit de son ombre. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir. La suite, c'est quoi Écoutez-le. Écoutez qui parle ici Le Père. Il recommande qui Le Fils. Est-ce que vous savez pourquoi le Père recommande le Fils Qui peut me donner juste une réponse rapidement Là. Parce que celui, d'accord, mais une autre réponse C'est celui qui envoyé. D'accord, tout ça, c'est des bonnes réponses. Mais je, je vais vous dire pourquoi. Tout ça, c'est des bonnes réponses. Parce que c'est Jésus qui est Dieu, parce que c'est Son Fils, parce qu'Il qu est le Tout-Puissant, parce qu'Il est le chemin de la vérité de la vie, parce qu'il faut passer par Lui pour être sauvé, d'accord. Mais dans le contexte ici, le, voilà, pour que Pierre croit, et pourquoi Parce que si on regarde le contexte, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé Les apôtres doutaient. Et euh, regardez, au euh, verset 13 de Matthieu 16, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, Qui suis-je, au dire des hommes Moi, le fils de l'homme. Et ils lui répondirent, Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et il leur dit, Et vous, qui dites-vous que je suis Pierre répondit et dit, Tu es le Christ, le fils du, du Dieu vivant. Et Jésus lui répondit et dit Tu es béni Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais mon père qui est dans, dans les cieux. Encore là on voit que le père a recommandé. Hein? Donc euh, le Seigneur à Pierre. Donc il faut la révélation du père pour reconnaître les vrais enfants de Dieu. Il faut le dévoilement. D'accord C'est capital. Donc c'est Dieu qui dévoile qui révèle aux gens qui est qui. Voilà. Si t'as pas cette révélation, eh ben, tu vas combattre les vrais enfants de Dieu. Ensuite. Et, euh, le Seigneur dit quoi? Au verset 21. Dès lors, Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite les, le troisième jour. Qu'il ressuscite le troisième jour. Mais Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. En lui disant, Seigneur, aie pitié de toi. Cela ne t'arrivera pas. Vous vous rendez compte Il reconnaît qu'il était le Messie, mais il n'a pas voulu accepter sa mission. Il n'a pas écouté le Seigneur. Il n'a pas voulu l'écouter. Il avait les oreilles bouchées. Il était incrédule, Pierre. Et maintenant, il va être convoqué sur la Sainte Montagne, la Montagne de la Transfiguration. Et là, le Père est intervenu en disant, celui-ci est mon fils. Oh mon Dieu. Il y en a beaucoup qui ont des songes comme ça. Hein. Moi, quand je pouvais avoir des doutes sur des frères, la nuit Dieu me parlait. Dieu me parle. Hein. Quand tu as un doute, est-ce qu'elle elle est, elle est vraiment convertie Est-ce qu'elle est pas bizarre La nuit, bah Dieu vient, il te donne un songe. C'est ma fille. Et si elle n'est pas de Dieu, Dieu dira elle n'est pas de moi. Voilà. bah oui. Et et là c'est pareil. Le Père intervient et il dit celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection où j'ai pris mon bon plaisir. Il dit écoutez-le. Waouh! C'est un ordre. Hein? Écoutez-le. Pourquoi? Parce qu'il apportait un message qui contredisait ce, ce, ceux des apôtres, qui allait à l'encontre de leur vision. Eh bien, il fallait qu'ils l'écoutent. Et d'ailleurs, quand, quand le Seigneur a été abandonné par les autres, Pierre a dit quoi? Et les autres? À qui irions? Nous. Tu as les paroles de la vie. Hein? Donc, parce qu'ils avaient reçu la reconnaissance du Seigneur, hein, du Père. Écoutez-le. Donc, c'est ça. Et vous savez, quand le message, un message paraît difficile, les vrais enfants du Seigneur disent Ah, Seigneur, éclaire-moi. Et Dieu leur dit Ce message de moi. Vérifiez. Et là, les vrais chrétiens vont vérifier. Ah, là, c'est écrit effectivement. Je n'ai pas vu les choses comme ça. Oh, Seigneur, merci pour l'éclairage. Oh, Seigneur, merci. Mais ceux qui sont destinés, les, re les rebelles, ils se dressent. Non, oh, c'est le diable. Voilà. Donc, Dieu recommande ces enfants. Donc, c'est aussi en même temps pour vous encourager en tant que jeunes ne cherchez pas à faire la promotion de vos ministères, de vos appels, de votre de, de, de l'œuvre que le Seigneur vous a confiée. Ça ne sert à rien. Ne cherchez surtout pas cela. Ne faites pas la, laisser Dieu faire lui-même votre promotion. Laissez Dieu lui-même témoigner de vous. Et regardez tout ce que je peux subir, tout ce que je, on peut subir depuis toutes ces années. Si Dieu ne donnait pas des songes et des visions à ses enfants, j'allais arrêter. Si Dieu n'agissait pas avec toutes ces conversions, ces guérisons, ces, 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 ces enseignements qu'il nous donne et ces, ces finances qu'il donne pour ces, cet argent pour faire avancer son œuvre. S'il n'y avait pas tout ça, j'allais bien sûr arrêter. Et euh, pour vous encourager encore, n'allez pas. Voilà donc, encore quelques exemplaires de la BGC qui, qui vont être imprimés. Je n'allais pas vraiment en parler, mais bon, ça c'est la nouvelle couverture encore. Et donc, ce n'est pas encore fini, il y aura des choses dessus. Ça c'est du vrai cuir. Vous voyez, frères et sœurs, du vrai cuir. Et les frères et sœurs soutiennent financièrement et d'autres exemplaires seront imprimés pour diffuser massivement l'évangile partout. Donc quand on voit tous ces fruits, toutes ces œuvres, eh bien, Dieu recommande son œuvre. Et c'est pour cela que nous tenons vraiment à, à, à le bénir, à le louer, à le glorifier pour toutes ces belles choses qui nous permettent de vivre, mes amis. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Ne vous laissez pas distraire, décourager par les épreuves, par les combats. Continuez la marche, le Seigneur revient. Avançons. Main dans la main et que le nom de Yeshua soit glorifié. Alors nous vous disons à bientôt. Au nom de Yeshua. Amen.